YSL clutch bag. Boss niggas love that my weave real long. Do my squats so that ass fat. Love my attitude, so he call me Lil Brat. Brat, he love me long time, cause it's cash, yeah, I match that. Never took a L. Salut tout le monde. Oh my god, allo Krusty. Ben, en fait, c'est pas un vlog de Ordila si je suis pas moche au début. Regardez mes ongles déjà. Bref. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je vais vous faire un week-end vlog. Donc aujourd'hui on est samedi le 17 juillet. Il fait enfin un peu beau aujourd'hui, on dirait. Donc aujourd'hui je sors avec ma tante, on va aller manger. Ensuite demain si je sors, je serai avec les filles et tout ça. Donc voilà, ça sera un petit week-end que j'ai envie de vous vlogger parce que hier j'ai fait un truc de questions là sur Instagram et je me suis rendu compte qu'en fait je poste plus. Genre ça fait tellement longtemps que j'ai plus posté régulièrement et c'est dommage parce que de base je suis quelqu'un qui est assez régulière je trouve. Et tout ce qui s'est passé ces derniers mois ça fait que je ne poste plus régulièrement pardon. Et même sur Instagram, enfin Instagram c'est une autre histoire parce que j'ai l'impression que j'y grandis pas sur Instagram et ça m'énerve parce que j'avais un certain goal cette année et si ça continue comme ça, je vais grave pas l'atteindre. Après, c'est un peu de ma faute aussi, mais vas-y, tu vois, l'algorithme n'aide pas trop. Donc voilà. Donc aujourd'hui, d'abord, j'ai un rendez-vous. Je vais me faire vacciner, les gars. Je vais me faire vacciner. Pourquoi? Parce que je me dis en fait, déjà en France, ça devient obligatoire. Et en Belgique, ça sera sûrement très, très bientôt qu'ils vont mettre obligatoire parce qu'ils veulent quand même que ce virus s'arrête, vous voyez. Donc moi, je me dis, vas-y, je vais me faire vacciner. C'est pas un truc de ouf. Enfin, j'espère, je prie Dieu que ça sera pas un truc de ouf. Donc voilà. J'ai rendez-vous à 12h52. Il est là, il est 10h29. Je vais faire mes cheveux avant d'aller me faire vacciner parce que je sais que mon bras, il sera très lourd. Et que j'aurai du mal à faire mes cheveux. Donc j'ai d'abord faire mes cheveux. Je vais me laver, je vais me faire mes cheveux et tout ça. Et quand je vais revenir, je vais me maquiller. Ensuite, j'allais rejoindre ma tante. Donc voilà. J'allais manger. J'allais manger, ensuite j'allais me préparer. J'ai fait mes cheveux. Et aujourd'hui aussi, j'ai envie de faire des photos. Je suis un peu plus motivée. Enfin, hier, quand j'ai parlé avec vous, vous m'avez un peu motivée en mode de, frère, tu poses plus en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien mes abonnés parce qu'ils disent la vérité. Ils ont rien à foutre. Ils sont comme moi en fait. On est ensemble. Donc là, j'allais manger ensuite. Donc là, j'ai vite fait à me vacciner. Parce que j'ai rendez-vous à 12h52. Il est 33. Mais bon, c'est ici, à côté de chez moi, donc tranquille. Là, je vais descendre pour prendre le bus. J'ai arrangé mes cheveux après. Là, je suis vraiment habillée comme une clocharde. Vous allez voir. Donc, en fait, la tresse, j'aime pas, wesh. Téma, elle est pas bien, la tresse. Mais bon, si je cache comme ça, ça va, non? Là, j'allais faire mon vaccin. Regarde comment je suis habillée, s'il te plaît. J'ai même pas mis la crème. Les gars, j'ai fait mon vaccin. Oh my god. Les gars, je viens de faire mon vaccin. Et je me sens trop comme une bad bitch, genre. Attends, vous me voyez bien, là? Je sais pas si vous me voyez bien. Parce qu'il y a trop de soleil, mais je viens de faire mon vaccin, je me sens bien, j'ai pas quelque chose de ouf ou quoi. Là j'attends le bus pour rentrer à la maison. Fille, je suis à la maison là, j'ai maquillé, ensuite je vais faire des photos en brr, ensuite je vais directement à Gand rejoindre ma tante parce que sinon ça sera trop tard. Mais en fait j'ai vu sur le site que ça s'ouvre à 17h, donc du coup j'ai encore, on a encore 3h pour arriver là-bas. Donc là j'ai maquillé, pour l'instant je me sens bien niveau vaccin, j'ai rien de mal ou quoi. Donc c'est ça qui est bien. Mon bras aussi je le sens, enfin je le sens encore. Et voilà, là je vous laisse comme ça. Vous allez regarder maquiller comme d'habitude. Thank you.
garçons qui regardent. Là, j'ai fini de me maquiller, tout ça. Je viens de faire des photos en bas. J'ai pris des photos, j'espère qu'elles sont belles. Vous pouvez entendre. Là, je mets mes chaussures. Mon bus, il vient dans 12 minutes. J'allais prendre le train. Ensuite, voilà. J'espère que mes photos sont belles, sinon je vais pleurer. Au pire, je vais demander à ma tante de me prendre des photos après. Donc voilà, si je vais montrer mon outfit dans le miroir. Outfit en brun, mon haut, il vient... Oula, oula. Mon haut, il vient de chez PLT. Il est un peu trop petit. Je crois que je l'ai recommandé dans une plus grande taille. J'ai vraiment forcé pour rentrer là-dedans, mais il est hyper beau. Je l'aime trop. Mon jeans que je mets tout le temps de chez Shein. Ensuite, j'ai mis mes Air Force. Pour mes cils, ils viennent de Primark. J'ai fait mes cheveux dans un petit couette comme ça. J'ai vraiment apprendre à bien le faire. C'est déjà mieux qu'avant, mais bon, ça peut être mieux. Donc voilà, là j'y vais vite, je prends mon train. Ah oui, j'ai pris un sac de chez Mango. Et voilà, là je vais faire vite, je prends mon train. Je rejoins Nathan parce qu'elle va commencer à me harceler. Donc voilà, à tout. Salut les gars, là je suis à la gare. Franchement, je déteste cette gare, c'est une gare de ghetto. Genre roman. Si j'ai fini, enfin si je fais un beau petit selfie, je vais enlever tes cils parce que ça va deux secondes. En plus, j'ai pas bien mangé tes cils. Là, on va aller manger. On va aller manger. I'm sorry, people are loud. This is ghetto. It's not giving. Je suis à. Y'a pas en fait. Y'a pas en fait. Je suis à Ken. Donc du coup, là j'attends mon oncle et ma tante. Ils sont là dans 10 minutes. Ensuite on y va. Une fille elle est venue, elle m'a dit t'es trop belle. Je dis merci toi aussi. Genre, et j'aime trop les filles comme ça, genre zéro gêne, genre j'aime trop. C'est qui? C'est Jika. On va aller manger. Oui, la On va aller manger là. Regardez le premier round. Lui, il a déjà fini. Elle mange des frites. Oh, it's the food for me. It's the food for me. En fait. Merci. J'arrive plus là. J'arrive plus. On est en plein. Oui, ma Vloxel. Regardez mon oncle. On est rempli. Là, je juste prends des desserts et puis c'est bon. Parce que ça. Donc on a fini tellement le dessert, on a pris. C'est juste que moi et ma tante on a mangé. Voilà, on a fini. On rentre. Jusque j'ai enlevé mes cils, regardez mon make-up, wesh. Donc j'ai pu vlogger. Demain on se retrouve. J'ai encore vlogué demain. Voilà. Salut les gars, on est le lendemain. Là il est 14h53. Et on va faire un tour au Ikea. Ensuite, je rentre à la maison. Et puis voilà. Ça sera le plan du vlog. Donc là, on va aller. Là, on est au Ikea. Je suis juste là pour regarder parce que je vais en Côte en septembre. Et on sait jamais. Donc voilà. Update. On est là. Gros, j'ai acheté des trucs. Tout ce qu'il y a, assiettes, les verres, j'ai pas trouvé les verres que je voulais, donc ça j'ai racheté. Ouh, je regarde chaque soir en vrai de vrai. Et puis voilà, là on est dans les trucs de. Enfin, dans le magasin quoi. Puis voilà. On a fini au Ikea. Franchement, c'est bon. Salut les gars, là je suis à la maison. Je sais pas si j'ai bien fait mes cheveux en vrai. I don't care. Donc là je suis à la maison. Là je vais rejoindre les filles. J'y prends le bus. J'ai mis une robe blanche. Je vais rentrer dans l'ascenseur, pardon. Et puis voilà, là il est 20h17. Mon bus il vient dans 28 minutes. Voilà. Et update sur le vaccin. Parce que je n'ai pas fait de update. Désolée pour derrière là. Donc je me sens bien. Je suis pas malade. Le matin j'étais un peu fatiguée. Mais là ça va. Ensuite mon bras, hier soir quand je suis partie dormir, il faisait grave, enfin je le sentais pas, genre littéralement archi lourd. Je me suis réveillée, là je peux bouger mon bras et mon chien. Donc voilà, ça fait déjà 24 heures et pour l'instant j'ai pas quelque chose de ouf niveau effet secondaire. Donc voilà,
Mes cheveux, je les ai plaqués parce qu'il fait chaud. Je ne me suis pas maquillée parce que voilà, flemme. Là, je vais mettre mes lunettes. Attendez. Je vais mettre mes lunettes là. Que tout le monde déteste. Mais moi, je kiffe. Clairement. Ils font trop comme ça. Oh, this is also a look. J'ai plus un brin ou quoi? Celui-là, le brin, il est où? Ils sont trop cute, wesh. En fait, c'est ça le mood que je suis dedans, en fait. Genre ça, c'est trop cute. Ils sont trop cute. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aiment. Mais moi, je kiffe. Voilà, là, je sors bientôt. Et puis, on se retrouve après. Donc, je suis sortie, j'ai mis ma robe de chez Zara, mon sac qui vient de chez Mango, ma bouche qui vient de chez AliExpress, lunettes AliExpress, j'y vais. Salut les gars, donc on est là, je suis avec Perla, tu veux dire bonjour? Ouais, je savais. Moi, tu savais. Ah, tu vlogs? Ouais. Pourquoi tout le monde est choqué, wesh? Je reprends ma vie de YouTube, ça va? Hey guys, hey vlog! Tu fais un weekly? Non, je fais un weekend vlog. Weekend voilà. Vlog with Ardilla. Abonnez-vous, partagez, non, je l'ai vu. Si! Malade, celle-là. Bon, à toutes. Ardilla! Ardilla! Tu vois, toi? Bitch, I get flew out for the weekend! Les gars, cette soirée, je l'ai même pas vloguée parce qu'on était tellement dans le moment même que voilà. Désolée, j'ai quand même vlogué le lendemain qu'on était tous ensemble, donc voilà. Là, dépose la poule. On va pas me laisser conduire, je comprends pas. Par là, il y a des babouches. Je vais en arrière, je tourne comme ça. Et puis je suis là, wesh. Ils veulent pas me laisser conduire, il y a quoi? Par là, ceux qui la ratent, tu trouves ça normal ou quoi? Non, moi je trouve ça scandaleux. Putain, là on va au magasin. Là on est au Lidl pour chercher à manger. Bon, là on est au Lidl, on fait quelques petites courses. Mais les brosses à dents. Ah oui, les brosses à dents. Deux fois? Oui. Ça c'est les brosses à dents de chier, ça. Hein? Non. J'ai plus A. C'est pas les. Y'a pas les recettes de diurne. Il est où le rayon truc là? Moi-même, donc là on fait des courses vite fait. Je reprends le vlog parce que votre youtubeuse elle est. Ouais, bon, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Regardez mes poches à fond. Ouais. Une soirée t'as peur. Une soirée t'as vraiment peur. Par là t'as quelque chose à dire? Yeah, je suis venue de ma vie. Les gens, ah vous savez que comme on est là en fait, on devait rentrer la nuit à 2h, 3h. Non, là il est midi là, on est toujours là et on va se faire à manger, on va faire un déjeuner et tout. Un bon déjeuner. Tiens ça. Mais ça c'est cher ça. Non, c'est 59. 10. Montre-toi, on n'a pas besoin de. Lola, reste là. C'est 40 ans. Il y a du beurre, hein? Ah, mais les petits sacs comme ça, les. Ça là. Les gars, quand vous dit on est, eh pardon gros, mettons seulement le masque. Franchement, j'ai pris ma bouteille d'eau parce que girl, I'm done. Ça va pas te faire acide ça aussi? Non, pas. Quoi? Ouais, j'arrête le vlog maintenant. Au revoir les gens. Franchement, merci d'avoir regardé. Au revoir le Ordila Team, c'est quoi? J'ai pas. C'est vraiment égoïste. D'accord. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, on s'en fout. Et on se dit à la prochaine en fait. Bye! Bye!